Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker, de partager. Tu veux raconter une histoire, tu envoies ta demande ici en direct et tu vas pouvoir monter, nous raconter ton histoire. S'il te plaît, quand tu montes, évite de tirer de long en large, va droit au but, évite de mentionner le nom des gens. Tout ce qui peut faire être identifié, évite de mentionner ça. Ton nom, le nom de celui dont tu racontes l'histoire. Évitons. On n'a pas le nom des bars, des restaurants, des hôtels, des entreprises en général. On peut carrément dire que okay, ça s'est passé dans un bar à Bonamous, ça dit. Point. Il y a plusieurs bars là-bas. Donc, pas besoin d'entrer dans le détail que voilà, le bar là, ça a la toiture rouge. C'est le gars qui s'appelle Alex. Et puis, il y a le maçon qui vient. Non. Évitez trop de détails. Voilà. Je pense que c'est tout. On va commencer. Donc, ici, c'est les histoires mystiques, s'il vous plaît. Pas des histoires d'amour. Hein? On va commencer. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Léon. Comment tu vas? Salut, chauffeur. Parce qu'il y a un petit trafic. J'espère qu'il y a la forme. Ouais, bon, ça va tranquille. Alhamdoulilah. Ouais, je suis là hier pour l'histoire, c'est moi qui racontais l'histoire des serpents hier. Ouais. J'avais une autre histoire aujourd'hui, par contre ça c'est pas la mienne, mais c'est une histoire d'une localité dans laquelle j'étais, au Gabon, précisément à Port-Gentil. Une histoire qui s'est passée. Histoire d'une fille en fait, une fille... De notre quartier à Port-Gentil, d'un quartier de Port-Gentil. La fille, elle faisait souvent face à un problème, c'est-à-dire les gens lui disaient que voilà que genre lui octroyait des trucs qu'elle n'a pas fait en fait. Je dis mais pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as fait ci, pourquoi tu as fait ça. Je connais pas trop le début du problème, mais quand ça a pété. C'est juste ce qu'on a raconté aux gens en fait, mais je connais pas trop le début du problème, mais on va juste raconter ça en haut. Donc la meuf, on lui octroyait souvent des trucs qu'elle n'a pas fait. On lui disait que non, mais pourquoi hier tu as fait ça. Et mais hier j'ai fait ça comment? Hier moi j'étais à la maison, je dormais, hier je faisais ça. Comment tu me dis que hier j'étais là-bas? On lui octroyait toujours les trucs comme ça. Et c'est après un jour, je pense que c'est son ami proche qui a fait la remarque. La meuf, elle était à la maison et quand sa copine est sortie de la maison, parce qu'elle a laissé la fille en question chez elle, et quand elle est sortie de la maison, elle retrouve la fille à l'école. Elle dit, qu'est-ce qui se passe? Mais bizarrement, en fait, ce qui s'est passé souvent, c'est qu'il y a toujours une des deux... Tu as les écouteurs? Non, j'ai pas les écouteurs. Pourquoi d'autres disent qu'ils ne te suivent pas bien? Est-ce que le son passe bien? Est-ce que vous l'écoutez? Dans les commentaires, s'il vous plaît. En tout cas, tu peux continuer. Il y a d'autres qui te suivent. D'autres disent qu'ils ne suivent pas bien. D'accord. Donc, il y avait une des filles... qui avait un comportement bizarre, c'est-à-dire les gens remarquaient souvent que la fille parfois elle est gentille, mais d'autres fois elle est très très agressive, très méchante. Donc les gens se posaient des questions, mais comment parfois tu es gentil, mais tu es bipolaire ou bien quoi? C'est quoi? Tu as quoi en fait? Donc la meuf dit mais moi j'ai rien, moi je suis tranquille. Donc c'est un peu ça. Donc ce jour-là, sa copine a quitté la maison. Elle a laissé sa copine, son autre copine, la fille en question, en train de suivre la télévision. Et elle est sortie, elle est partie à l'école. Et quand elle part à l'école, elle retrouve la fille là en question, sa copine en question là-bas à l'école. Mais attends, comment? Moi, je t'ai laissé à la maison, en train de suivre la télévision. Comment ça se fait que tu es ici à l'école? Tu as fait quelle magie pour prendre les taxis? Tu as fait comment? Elle était toujours agressive. Non, mais tu me poses des questions bizarres, comme ça, comme ça, comme ça. Toujours agressive, en fait.
Et c'est là, elle a tiqué, elle a commencé à faire un peu les enquêtes. Et au fil du temps, elle s'est rendue compte qu'effectivement, il y a deux personnes différentes, il y a deux personnes distinctes, mais la même fille. Et quand elle a exposé ça, en fait, à sa copine qui est gentille, dès que la copine gentille s'est rendu compte, en fait, s'est rendu compte de ça, a pris acte de ça, en fait, à l'instant T, elle a commencé à tomber malade. C'était maintenant maladie sur maladie. Elle ne se sentait plus bien. Elle commençait à tomber malade ici et là. On est sur le palu. On dit c'est si, c'est ça, c'est si, c'est ça. Et quand sa santé a commencé à s'aggraver, sa copine a dit non, ça dort. Laisse l'histoire là, je vais arranger ça. Toi, reste à la maison. Je vais sortir. Je vais voir ce que je peux faire. Et elle a appelé l'histoire de pasteur et tout ça, tout ça. C'est dit non, laissez l'histoire là. On va régler ça ici. Donc, sa copine a dit reste ici. Moi, je vais aller voir celle qui est dehors là-bas. Parce que je ne comprends pas. Donc, un jour, elle a laissé la copine à la maison avec les pasteurs qu'elle a. Désolé, je tente de sauter plusieurs étapes. Hein, parce que c'est un peu long. C'est un peu long. Donc, elle a laissé sa copine à la maison avec les pasteurs et autres. Et elle est sortie. Parce qu'elle avait fixé un rendez-vous avec l'autre copine méchante là. Ils se sont rencontrés dehors. Elle a dit non, écoute, viens à la maison, on va essayer de faire un truc. Non, non, la copine a dit que non, non, je ne vais pas venir à la maison. Toujours agressive. Elle dit que non, je ne vais pas venir à la maison, j'ai mes trucs à faire. Patata. Elle dit que non, viens à la maison, on va essayer de papoter, de faire un truc parce que je t'ai fait à manger, autre, tout ça, et puis voilà. On vient à la maison d'abord. Elle a insisté, 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 insisté. Et quand la fille en question est venue à la maison, dès qu'elle regarde la maison, elle commence à s'affoler. Oh non, je ne veux pas venir à la maison, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Ah, viens, dit, je ne veux pas. Et dès que les gens de la maison ont remarqué que la fille en question était dehors, ils sont allés la chercher là où elle était. Dire que viens ici à la maison. Donc, au fur et à mesure qu'il l'a tirée pour venir dans la maison, elle devenait de plus en plus hystérique, en fait. Elle pétait de plus en plus les plombs. Il faut qu'elle la tirait vers la maison, qu'elle la tirait vers la maison. Et quand elle la tirait, l'autre qui était dans la maison se sentait de. Enfin, sa santé revenait un peu sur le champ comme ça. Ils ont tiré, 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 tiré. Et finalement, ils l'ont fait rentrer dans la maison et ils l'ont mis dans la chambre. Ils ont dit ça, c'est quelle histoire ça? Comment ça se fait que deux personnes peuvent être pareilles mais distinctes? Quoi? Vous avez fait des jumelles? Non, on n'a pas fait des jumelles. Et comment ça se fait que l'autre est là et l'autre? Donc la meuf là, son sosie agressive, là, a été vraiment énervée, elle s'est énervée, elle s'est énervée, elle s'est énervée, elle s'est énervée tout le temps. Dans la chambre, elle pétait les plombs, elle dit que je veux sortir, je veux sortir, je veux sortir, vous voulez me tuer, je veux sortir, je veux sortir, je veux sortir. Et quand celle qui était normale là, en même temps voulu la voir, genre pour ouvrir la porte de la chambre, pour vouloir la voir, paf, la meuf a disparu sur place. Donc c'est un peu ça. Après, bon, je connais pas trop l'explication de ça. Je sais pas trop, et comme c'est une vieille histoire aussi, et aussi j'ai sauté plusieurs étapes parce que c'est un peu long. Donc c'est un peu ça. Je sais pas trop si certaines personnes ont eu déjà ce truc-là chez eux, d'une personne qui se dédouble ou bien qui a un double qui circule dans la nature. Merci, merci C'est beaucoup un pour l'histoire. peu. Allez, commentez. Allô? Bonsoir, user. Bonsoir, DMG. Comment allez-vous? Ça va et vous? Très bien, merci. Ok. Bon, moi j'appelle depuis la Côte d'Ivoire. Je vous appelle pour donner mon témoignage sur des trucs mystiques qui se sont passés en 2016. Alors en 2016, j'étais fiancée. Tout allait pour le mieux en tout cas. Jusqu'au moment où j'ai commencé à faire des songes vraiment bizarres. Des femmes qui venaient pour me menacer, mais en tout cas, je les frappais. Quand femme aime.
je l'ai frappé très bien. Et une fois, il y a une dame qui est venue, elle a pris l'un des matelas. Donc j'ai dit, mais toi, tu pars où est le matelas? Que renvoie-moi le matelas ici. Je l'ai tabassé, j'ai pris le matelas. Donc on se faisait suivre par des bergers, parce qu'on est catholique. On se faisait suivre par des bergers. Et ils ont dit que bon, la relation était attaquée, tout ce que nous deux on savait. Mais où ce fut vraiment le comble, c'est qu'il y a eu une période avant la fin des fiançailles où tous deux on était vraiment attaqués. Lui, il a vu l'une de mes tantes qui lui a dit que oui, elle ne t'aime pas, que ça là, tu vas la marier, tu vas voir après là, c'est fini. Le genre, elle va plus t'aimer. Donc elle m'expliquait ça, moi ça me faisait sourire. Son deuxième songe. Il dit, on était ensemble dans la voiture et on partait, on dirait, dans une autre ville. Et tout d'un coup, il y a un mur qui s'est dressé sur notre route et on n'a pas pu partir. J'ai dit, ah bon, cette histoire-là, elle devient très sérieuse. Pendant ce temps, moi, j'étais attaquée de partout, même venant même de sa mère. Jusqu'à l'église, on a dit que oui, sa Est-ce que mère, vous elle remontez un aime peu le la volume? Est-ce que... Allô? Allô? Le volume est un peu bas là. D'accord, vous C'est m'entendez mieux les écouteurs que vous maintenant? utilisez. Non, non. Oh, mais c'est mieux là maintenant. D'accord. Donc, j'étais même attaquée par sa mère. Bon, à l'église, on nous avait dit que lui, elle était mariée spirituellement avec lui. Ce que moi-même, j'avais déjà constaté parce qu'elle était très, très, très jalouse. Et quand tu vois la photo de son père, bon, tu comprends qu'elle a fait une fixation sur lui. Elle est venue me voir, songe que oui. Donc, tu n'as pas donné un enfant à mon enfant. Hein. Il va jamais avoir de quoi ni de tort, quoi que ce soit ici. Et puis, elle tapait son enfant, genre, moi, mon 9 mois. Depuis qu'il connaît femme, il n'a jamais cherché femme comme ça. Ah, mon frère, moi-même, je suis assise ici, là. Il n'y a pas plus grande peureuse que moi pour dire, je vais aller en foutre enfant des gens. Et c'est comme ça, j'ai commencé à faire des songes bizarres. Où il y avait de ces ombres-là qui venaient, je me battais tout le temps. Jusqu'au jour où je me retrouvais dans un coin rempli d'eau, sur une falaise, comme ce qu'on voit un peu dans les dessins animés, là. Et il y a un homme sirène qui est venu, il m'a pris par la main, qui dit que cette relation-là, si tu entres là, tu vas mourir, que c'est pas bon pour toi. On fait tout pour que tu quittes, mais tu ne veux pas quitter. Donc, quand il m'a tiré, il a plongé avec moi dans l'eau là. Mais je vous assure que le matin, quand je me suis réveillée, il y avait des marques d'écailles sur ma main par laquelle il m'a tenue. Et 2 ans après, je suis partie. Bon, pendant ce temps, les fiançailles étaient déjà rompues. Je suis partie au Maroc. Et il y avait l'exorciste de Casa qui m'a vue après l'une de ses veillées. Et puis, il a demandé à me voir après. Je dis ok. Donc je suis retournée sur Rabat. 2 jours après, je suis retournée sur Casa. Et il a commencé à me parler de cette relation-là. Il dit, mais comment vous vous êtes connus? Qu'est-ce qui s'est passé? Et tout. Parce qu'il y a des trucs qui ne sont pas clairs. Donc quand il m'a posé la question, j'ai eu un flashback. Et puis je dis, ah, effectivement, avant lui, j'étais avec un blanc, mais bon, ça n'a pas marché parce que nous, on avait les mêmes problèmes cardio. C'est ça, non? On dit cardio, non? Bref, c'est question, on avait des problèmes de santé au niveau du cœur. Donc, c'est ce qui a fait qu'on s'est séparés. Lui, je l'ai connu. Il dit, mais après ça, genre, bon, qu'est-ce que c'est? Je dis, franchement, quand je regardais, il n'était pas vraiment mon genre. Mais je dis, bon, attends, je vais passer mon gourmet avec lui. Et un jour, il est venu à la maison. Dès qu'il m'a salué, c'est là que tout est parti. Il dit, effectivement, que, en fait, le gars a usé des trucs pas simples. Pour que tu sois intéressé par lui. Et que si tu t'entêtais à rentrer dans ce mariage, tu n'allais pas faire 1 an même, tu allais mourir. Parce que tu t'es arrêté sur un très gros serpent. Donc, c'est pour dire à mes jeunes soeurs que franchement, il faut faire attention, quoi. Que quand tu vois que tu es amoureuse, il faut repartir à la genèse de la relation. Moi, en tout cas, depuis ce truc-là, je ne badine plus avec. Quand je vois que je suis amoureuse, je repars à la genèse. Je fais tout un chronogramme de la relation avant de me lancer dedans. Donc, c'était ça. Et merci beaucoup, beaucoup pour l'émission. En tout cas, ça nous fait du bien. Surtout que vous m'avez prise Merci. aujourd'hui. Ça, franchement, merci. Merci pour l'histoire.
Ok. Vanessa, bonsoir. Bonsoir, ça va? Très bien, et toi-même? Ça va, ça va. Donc, alors, moi, c'est une histoire quand j'étais au Cameroun. En fait, j'avais une camarade quand j'étais au primaire. Et elle était bizarre. Elle était tout le temps bizarre, ma camarade, là. On se parlait. J'étais même la seule personne avec qui elle parlait dans la classe. On se parlait de temps en temps. Elle était plus vieille que toute la classe déjà. Donc, on se parlait. Tout, elle était tout le temps bizarre. Elle avait tout le temps les cernes. Elle faisait vieille. Ma camarade, là, elle faisait tellement vieille. Elle faisait pas son âge du tout. Donc, on était en cours et tout. Elle me racontait comment elle n'arrivait pas à dormir la nuit parce que sa grand-mère était trop bizarre. Je te jure, une fois, elle m'avait invité chez elle. La chair de poule. Leur maison était toujours sombre. Dans ce genre de maison que tu rentres comme ça, là, tes poils se dressent. Donc, elle m'avait invité chez elle une fois, on est arrivé et tout. Dès que sa grand-mère était venue, non, je suis rentrée chez moi, c'était trop. Moi, je ne suis pas quelqu'un de base qui croit aux histoires de sorcellerie, je tiens à préciser. Donc, on se parlait et tout. Un jour, donc, j'ai raconté ça à ma tante. J'ai dit que j'ai une camarade là, elle est bizarre et tout. Je lui ai dit son nom et puis j'ai dit là où elle habitait. C'est là où elle me dit, ah, c'est la fille de telle. Ça me dit que. Elle commence à me. Enfin, ma tante commence à me dire que. Ouais, que. Enfin, sa mère, la mère de mon amie là, c'était sa copine quand ils étaient plus jeunes. Et en fait, sa mère avait les problèmes. Enfin, la mère de mon amie avait les problèmes avec sa mère, du coup, la grand-mère de mon amie. Parce que sa grand-mère là, elle faisait des pratiques. Et sa mère avait fui la maison parce qu'elle n'en pouvait plus de ses pratiques. Elle n'arrivait pas à se mettre en couple avec quelqu'un. Quand elle se mettait en couple avec la personne, ça ne marchait jamais. Que sa grand-mère gâtait toujours. Donc, la mère de mon amie, là, un jour, elle est allée voir son oncle, elle lui a expliqué la situation et tout. Que de toutes les façons, dans toute la famille, savent déjà que enfin, cette dame-là était comme ça. Donc, elle n'est pas voir son oncle, là. Son oncle, apparemment, lui avait donné un collier pour la protéger. Donc, il a donné le collier là. C'est comme ça qu'elle est partie de la maison. Ça se passait bien et tout. Elle a rencontré quelqu'un. Et ils se sont mis ensemble. Ensuite, elle est tombée enceinte. Quand elle tombe enceinte, alors, comme ça, là, c'est là où les problèmes commencent et tout. Tout le temps, elle était à l'hôpital. Ça n'allait pas. Donc, elle a eu plein de fausses couches, plein de fausses couches. Et ensuite, elle a eu mon amie là. Donc, mon amie là, elle a la grossesse. Enfin, elle a supporté toutes les. Malgré que c'était compliqué, la grossesse est arrivée à terme et c'est comme ça qu'elle a eu mon amie là. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que le jour de l'accouchement, c'était pas prévu. Je pense que ça devait être les pratiques de sa, enfin de sa mère, du coup la grand-mère de mon amie, ça devait être ces pratiques-là. Elle ne voulait pas que sa mère accouche en fait, que la mère de mon amie ait un enfant. Donc le jour là, c'était pas prévu qu'elle accouche ce jour-là. Donc, ce jour-là, elle prenait sa douche normalement et tout. Elle prenait sa douche. Ensuite, bizarrement, elle a retiré le collier que son oncle lui avait donné. C'est comme ça que elle a eu les contractions et tout. Elle a eu les contractions. Elle est partie, on l'a amenée, elle a accouché, mais elle est décédée. C'est comme ça qu'elle a accouché de mon ami là. Donc. C'est ça que ma tante m'a raconté. Enfin, moi, je ne croyais pas trop. Comme mon amie, là, moi, je la trouvais trop bizarre. Enfin, je me disais, c'est. Elle me racontait, moi, je ne croyais pas trop à l'histoire qu'elle me disait, ouais, sa grand-mère. Mais c'était bizarre quand même, parce que sa grand-mère, c'était le genre de grand-mère. Elle n'avait pas de copine. Même ma propre grand-mère me disait souvent que ne pars pas chez elle. Elle m'interdisait de partir chez elle. Mais bon, quand tu es enfant, là, et que tu as ton ami, tu as envie d'aller chez ton ami. Mais j'étais partie une seule fois chez mon ami, là, parce que. Aïe! Non, je ne crois pas aux histoires de sorcellerie, mais. Là, là, là. Franchement, c'était trop. Donc voilà, c'était ma petite histoire et tout. Voilà. Merci, merci pour l'histoire. De rien, au revoir. Et les commentaires. Hello DMG, bonsoir. Bonsoir, Rose. En fait, je vais raconter une petite histoire. Bon, avant que tu ne me prennes, je lisais les commentaires des uns et des autres qui disent, ah, les histoires là sont bizarres aujourd'hui et tout. Bon. Nous, on leur demande alors de raconter les histoires qui ne sont pas bizarres. Chacun raconte son vécu. En Donc, fait. moi, je reviens un peu à une petite histoire. La camarade d'un de mes oncles,
je ne veux pas, je veux faire l'effort de tout faire pour que personne ne se reconnaisse, hein, parce que là, voilà. Une dame de près de 40 ans, elle s'était déjà mariée deux fois. Je ne sais pas si tu me suis bien. Donc, elle s'était déjà mariée deux fois et toujours elle cherchait les enfants. Elle va à l'hôpital, on lui dit que non, tout est OK, mais elle n'arrivait pas à faire d'enfants en fait. Et financièrement, elle était plus que stable. On peut même dire qu'elle était riche parce qu'elle avait fait de bonnes études et puis elle travaillait dans une très très bonne boîte. Donc, tu sais qu'on est en Afrique, donc malheureusement pour elle, l'argent ne suffisait pas. Donc, elle a fait deux divorces. Mais tellement elle est une belle femme, elle rencontre son troisième mari qui lui avait déjà des enfants. Il était veuf. Mais même comme ça, bon, elle voulait toujours enfanter. Donc ça c'est une femme, donc ça lui tenait vraiment à cœur et tout. Mais l'enfant ne venait pas. Elle était déjà à sa 43e année. Là, elle n'avait pas toujours accouché. Puis un jour, un samedi, on l'appelle pour lui dire que sa maman est malade. Elle y va avec son époux. Sa maman est vraiment malade. On commence même à penser à faire ce qu'on appelle chez les catholiques, si c'est l'extrême onction, parce qu'elle n'allait pas bien. Donc, ses frères qui étaient avec elle lui disaient que non, c'est sûr qu'elle va peut-être même pas passer la nuit. Bon, on appelle le curé du coin. Il s'entretient avec la maman et les enfants. Après, le curé, je ne sais pas quelle vision il a eue, lui dit non, il faut que tu te soulages, il faut que. Il dit à la maman qui était malade, hein, qu'il faut que tu te soulages pour que tu puisses partir en paix, même si c'est ta mort, mais que tu ailles l'esprit léger. Il faut te soulager, il faut parler. Et la dame qui dit à ce curé que. Il faut que sa fille sorte, celle qui a fait les problèmes d'enfantement. Qu'elle va parler, mais il faut que sa fille sorte. Bon, je ne sais pas ce qu'avait vu le curé. Le curé insiste. Non, il faut parler à tous tes enfants. Ça va te libérer et tout. S'il y a un problème, ça va te libérer et tout. Ce sera un peu comme une sorte de comment on peut dire, de testament que tu vas faire à tes enfants. La dame insiste qu'il faut que celle qui n'arrivait pas à enfanter sorte. Le curé aussi lui dit non, si elle sort, moi je m'en vais. Donc du coup, la vieille qui n'allait vraiment pas. Ça a pris presque une journée, hein, convaincre cette femme de. Elle se résout donc à parler. Elle se résout à dire. À se confier, si on peut dire ainsi. Elle demande d'abord pardon donc à cette fille-là. Elle lui dit je te prie de m'excuser. Mais si tu n'as pas pu enfanter, c'est à cause de moi. La dame dit pardon. Parce qu'en général, bon, nous on sait que les mamans protègent. Elle dit quoi? Elle lui dit que oui, franchement, quand tu étais petit avec tes frères, je suis partie voir un marabout pour voir votre destinée. Et le marabout m'a dit que tu as une étoile. Et que tu seras très aisé. Socialement, tu seras aisé. Bon, moi, je me suis dit que si tu enfantes, si tu enfantes dans ton mariage et tout, tu vas nous oublier. Donc, j'ai décidé que tu n'allais pas enfanter. J'ai demandé à ce monsieur de bloquer, en fait, tes trompes, comme on dit souvent. La dame lui demande, ah bon, il dit que oui. Donc en fait, tu es celle qui doit nous donner. Bon. Donc je raconte cette histoire. Pourquoi? Parce qu'en général, lorsqu'on se marie, bref, on sait toujours. Les gens parlent toujours de la belle-mère qui est mauvaise et tout. Lorsqu'on a des soucis dans le mariage, hein, c'est toujours ça. On dit, ah, ma belle-mère ne m'aime pas et tout. Mais parfois, nos blocages même aussi peuvent venir de nous, de nos racines, de nos parents. Nos parents. Donc c'est un peu ce petit témoignage que je voulais faire. Bon, mais après, lorsque sa mère a pu dire tout cela, heureusement pour cette maman, elle n'est même pas décédée.
La dame a dit qu'elle n'irait plus au village, jamais elle ne partirait plus là-bas. C'est son mari qui l'a convaincue que non. Tu disais que tu priais et tu voulais comprendre ce qui t'arrive. Bon, Dieu a permis que tu saches d'où venaient tes blocages. Si tu gardes cette haine dans ton cœur et tout envers ta mère, ça veut dire que toi-même, tu n'as rien compris. Mais bon, il a essayé de la convaincre. Malheureusement, avec l'âge qui passait, elle a seulement pu faire un seul enfant. Je crois à sa 44e ou 45e année, comme ça, elle a seulement pu faire un seul enfant. C'est la petite histoire que je voulais vous raconter. Merci beaucoup pour l'histoire. Allô, Bonsoir, Debs. c'est Jill. Oui, j'appelle depuis le Gabon en fait. Je te suis depuis longtemps et puis j'ai envie de discuter avec toi en fait. J'ai envie de donner mes histoires. D'accord. Alors, je t'écoute depuis sur YouTube. J'ai même beaucoup de tes vidéos sur mon téléphone, beaucoup sur YouTube. J'ai téléchargé bon nombre de tes vidéos. Maintenant, non, mais sérieux. Maintenant, je viens un peu par rapport à cela pour essayer un peu d'exposer les faits parce que le monde aujourd'hui est vachement rempli de négativité, non seulement ça, parce que la plupart des personnes qui C'est comme sont si de la bon. pièce où tu es là, il y a beaucoup de bruit. Hein. Est-ce que tu peux sortir de Exactement, la pièce? j'habite à côté d'un bar, à côté, j'habite à côté d'un bar. Donc, excuse-moi pour le bruit et pour tous ceux qui m'écoutent pour le bruit, en fait, j'habite à côté d'un bar. Je suis Gabonais, donc je vis à Libreville, en fait. Donc, je disais tantôt que j'ai beaucoup de tes vidéos dans mon téléphone sur YouTube que j'ai téléchargé parce que ça me fait vraiment grandir vu que moi j'ai pas d'amis et tes histoires vraiment sont énormément ton concept il est génial et les histoires qu'on écoute chaque jour ça essaie de guérir les esprits ça essaie d'ouvrir en même temps les esprits des personnes un peu je sais pas comment il faut dire cela mais en gros, je vais dire que ça ouvre les esprits. Alors, je viens par rapport à une petite histoire. J'ai beaucoup d'histoires concernant ma famille, concernant mon petit frère ou encore, s'il faut dire, mon petit neveu qui est là, qui est malin en ce moment. Il est fou parce que il a voulu pratiquer. Alors, je vais raconter mon histoire. On n'est pas allé dans les détails parce que beaucoup de gens nous écoutent. Donc, je suis originaire de la province de Haut-Ogooué, donc c'est-à-dire à Franceville, au Gabon. À Franceville, tu vas peut-être connaître ou encore ceux qui sont dans tes commentaires pourront savoir, les Gabonais surtout. Alors moi, j'ai un petit frère, il aimait beaucoup les choses de luxe. Nous, on a dit on va poursuivre l'école et lui, il aimait les choses de luxe. Et avant, il y avait les Air Daddy, en t-shirt Air Daddy, babouche Air Daddy, au niveau de Mbolo, ça coûtait 9 100 francs. Ou 9 900, ça en gros 10 000 les babouches. Le t-shirt était à partir de 10 000 ou encore 15 000 francs par là. Il était amoureux de jeunes filles alors qu'il n'avait que 15 ans. Et il aimait coucher avec les mamans également. Puis après, il a rencontré un ami. Il a rencontré un ami qui était dans le quartier, qui s'appelait, je vais cacher le nom, je vais cacher le nom, qui s'appelait par exemple X. Alors X l'a amené dans les choses un peu bizarres. Un jour, on est à la maison, on voit le petit apparaître, il a un portefeuille magique. C'est-à-dire qu'il nous amène au bar, mais il dépense sans compter. On boit le vin, on boit, en fait, le portefeuille, ça finit pas, le gain ne finit pas. L'argent ne finit pas, en fait. Moi, on demande, mais petit, mais tu gagnes l'argent là-haut? Il me dit, oh non, j'étais avec X, et X m'a montré un réseau où tu dépenses 100 francs et tu peux gagner au moins 100 000 francs. Tu dépenses 100 francs et tu peux gagner au moins 100 000 francs. Ça, c'est un truc bizarre. Et X en question, on a fait l'école ensemble. X, on a fait l'école ensemble hein, à Franceville. X, son niveau de scolarité, c'est ceux par là. Puis il a arrêté, il est devenu électricien. Aujourd'hui, X fait le tour du monde. Hein. Il fait le tour du monde. Puis un jour, moi je suis à Libreville actuellement. Puis un jour, je vais en vacances à Franceville. Je vois mon petit frère, il est là, il dépense des sous. Il dit, mais petit, les sous auxquels tu dépenses, tu peux au moins investir parce que si tu investis, tu peux dépenser. Mais non, l'argent, on ne peut investir. Comme est-ce que l'argent qu'on peut investir? Mais non, grand.
L'argent-là que le grand X m'a donné, on peut investir avec ça, c'est juste pour faire plaisir aux femmes. Tu bois et puis après, tu satisfais tes goûts, tu peux coucher comme tu veux. Je reste tranquille en fait. Puis, bam! Un jour, il commence à délirer. Il va dans un bar, il a oublié son portefeuille magique. Il a oublié son portefeuille magique dans un maquis. Et tiens, il y a un policier qui ramasse son portefeuille magique. C'est une histoire personnelle. Je sais pas comment il faut raconter parce que je suis à côté d'un bar, vu qu'il y a le bruit. Puis, il y a un policier qui ramasse son portefeuille. Quand il ramasse son portefeuille, mon petit frère commence à délirer. Lorsqu'il délire, il va dans un bar, il commence à boire, il commence à consommer, consommer, consommer jusqu'à X heures. Et le bar ferme. Et lui, la gérante arrive le matin, trouve le petit ivre dans ce bar-là. Elle demande, mais attends, tiens, tu as bu mon bar, je vais t'amener au commissariat. L'affaire allait au tribunal. Voilà. Quand le petit arrive au tribunal, mais tu sens que le petit, il est à côté, il est avec une sirène en fait. Parce que lorsqu'il parle, tu sens la présence de quelqu'un en fait. La présence de sirène. Il dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Les gens qui étaient enfermés avec lui disent que lui faisait des rapports sexuels avec une sirène. Il dit, tiens, jusqu'aujourd'hui, c'est une stop de ma famille parce que jusqu'aujourd'hui, le petit, il est fou. Je vais essayer de l'écrire sur un cahier bien détaillé et puis je vais te l'expliquer sur ton truc YouTube. Et le petit, lorsque il va en prison, il va en cellule, il gémit. Les autres prisonniers qui sont à côté de lui, ils gémissent. Ah, ah, ah. Les autres prisonniers s'étonnent, mais qu'est-ce qui se passe? Et bien, il y a Anisha qui est dans la cellule. Comment ça, Anisha? Anisha, c'est qui? Les autres ressentent une présence, c'est-à-dire une présence d'une sirène. Non, c'est-à-dire que mon petit frère est allé pratiquer la sirène parce qu'il a connu quelqu'un du quartier avec qui il a donné la confiance, c'est-à-dire qu'il a considéré comme ami. Moi, je dirais aujourd'hui, le monde est devenu vraiment dangereux parce que même ceux qu'on considère comme amis ne sont pas nos vrais amis, en fait. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle l'ego, on a ce qu'on appelle le paraître, on a ce qu'on appelle l'égoïste, on a ce qu'on appelle encore l'estime de soi et l'orgueil. Moi, je tiens beaucoup à rappeler les jeunes garçons qui sont là, qui vont écouter tes histoires, que de faire attention parce que tous ne sont pas nos amis. Tous ceux qui viennent vers nous ne sont pas nos amis. Comment expliquer que. Parce que moi, je compte descendre sur Franceville, le rue de Gabon, descendre sur Franceville, acheter un sac au moins de vêtements pour l'amener. Aujourd'hui, il est devenu fou. Il est complètement fou d'MSG. Parce qu'il a pratiqué la sirène. Il a pratiqué la sirène. C'est vraiment dangereux. Quand tu as en face de lui, il te mange trois mamies de riz, trois mamies de poulet, trois mamies bien dosées là. Est-ce quelle personne qui veut manger trois mamies de riz? Il mange avec quelqu'un. Quand tu es en face de lui, tu sens qu'il y a une présence en fait. Il y a une présence. Quand tu dors avec lui, il y a une présence qui te caresse, qui te. Les portes bougent la nuit en fait. Je vais D'accord, écrire oui. l'histoire sur un cahier pour mieux t'expliquer parce que là, je suis à côté des bars, il y a le bruit. Oui. Mais je vais juste dire aux jeunes Si tu peux, garçons qui t'écoutent. si tu peux envoyer l'histoire sur le numéro WhatsApp là de TV là. Exactement, Comme ça, même le sur matin ton ou bien YouTube. très tôt, même le matin, quand il n'y a pas encore les bruits du bar, tu peux nous envoyer ça au camp. Et au même aujourd'hui, sa soeur est morte, hein, parce que sa soeur est morte parce qu'elle a voulu suivre la part de gain. Elle aussi, elle est morte aujourd'hui. Ils sont quatre dans la famille, mais tous sont décédés. Moi, je suis le grand frère, tous sont décédés. Les deux, il ne reste plus que D'accord. deux qui restent. C'est les jeunes garçons qui nous écoutent doivent faire attention aux amis que nous fréquentons, parce que tous ceux qui viennent vers nous ne sont pas vraiment des amis. Certains sont là parce qu'ils veulent prendre une étoile sur nous, d'autres sont là parce que. Je veux dire quoi? Lorsque tu dépenses sur eux, ils sont tellement contents. Ils sont contents, mais D'accord, d'où sort notre argent? Merci beaucoup pour l'histoire, tonton. Donc, je vais revenir S'il sur te ton plaît, YouTube. Je vais. il faut envoyer ça au calme sur le numéro WhatsApp, s'il te plaît, n'oublie pas. C'est une très bonne Non, histoire que tu je viens de ne regarde raconter. pas. Je te regarde tout le D'accord. temps, je te suis tout le temps, je vais revenir. Je vais essayer de bien écrire l'histoire et puis je te raconter. C'est vraiment dangereux ce que je te dis. C'est vachement D'accord. flagrant.
Tu ne peux pas dormir à côté de lui. Parce que si tu vas à côté de lui, il y a la sirène qui te tripote. Elle te touche le pipi. Mais sérieux, en fait. Ok, Donc, boss. on doit faire attention avec nos amis qui sont à côté. Et puis, les jeunes filles sont beaucoup plus vulnérables aujourd'hui dans notre monde parce qu'elles sont beaucoup plus. Elles cherchent l'argent. Les jeunes filles cherchent l'argent. Elles doivent faire attention. La prochaine histoire que je vais écrire, même sur WhatsApp, avec l'histoire que je t'ai racontée tout à l'heure, ou encore plus prochainement, que je vais écrire, c'est vraiment très, très délicat. Et les filles doivent faire attention, tout comme les jeunes garçons. Le monde est dangereux. Ok. D'accord, merci. Merci d'un coup. Yo, ça dit quoi, DMG? Suis là posé, Zidane, t'as dit quoi? Ça va, frère, ça va. Ah, j'ai une histoire, j'ai beaucoup d'histoires, mais j'ai une histoire, il y a tellement de monde, on sait. Bon, chacun doit raconter pour sa part. Bon, moi, mon histoire me concerne personnellement. Mon histoire me concerne personnellement. En fait, c'est une histoire qui se déroule il y a de cela plus de 10 ans. Déjà, on allait, j'espère qu'on m'écoute bien. On allait en vacances au village. On arrive au village comme ça. Je vois, parce que tu as tendance à voir les filles du village comme ça. On voit, on dit que mais, les filles sont encore bien là. On voulait aussi tenter nos trucs. On arrive maintenant. Moi, je calcule une petite là. Je signe derrière elle que c'est toi, ma femme. Même dans les champs, je courais. On part, côte le maïs. Je suis derrière elle, je cours. Merde. Elle me repousse. Je dis ok, il n'y a pas de souci. J'insiste, je la coince. Maintenant, la nuit tombe. Entre-temps, il y avait un gars qu'elle avait. C'est quelle raison tu voulais marier? La nuit tombe maintenant. Mon frangin me dit que, gars, accompagne-moi un peu au marché là. Il était pour le marché ouvre tout, c'est même tard là. Genre les boutiques là-bas. Il tape les commentaires. Accompagne-moi au marché et tout. Il dit, il n'y a pas de souci, gars, on go. Il avait faim. On marche, on tape les 100 pas. D'abord, on arrive à route un carrefour, on voit un arbre. L'arbre, on suit seulement les gens parler sur l'arbre, les bruits. Tu guettes, tu ne vois personne. Les commentaires sur l'arbre, il dit, hey man, on ferme les yeux, on passe, on fuit. Arrivé devant maintenant, il y avait un petit tronçon là. On voit comment il y a un coq, le coq du village qui est en train de taper les commentaires avec une autre poule. Oh, en patois, oh, Brenzien ou Mika, hein, en bamoune, il dit que, hey man, la course qui est choix, non? Mais, j'ai fui. Arrivé devant, on croyait qu'on était tiré d'affaire. On voit maintenant un monsieur, il est en blanc, blanc, man. Il est en blanc, blanc. Je guette, il dit que, hey, monsieur, s'il vous plaît, on a vu quelque chose là-bas. Il cherche la tête du monsieur, il ne voit pas. Il dit que, il était en blanc, il n'a pas de tête. Tu guettes, tu guettes, tu guettes, tu guettes, tu ne vois pas sa tête, man. Tu guettes, comment tu ne vois pas la tête, ça goko au ciel. On fuit, on rentre à la maison, on dit que, gars, en tout cas, on va dormir. Les parents dormaient, on ne va pas les réveiller, tout pour les choses comme ça, peut-être. Je dors maintenant, je dors tranquillement, je suis en train de ronfler. Aux environs de 3 heures, je suis comme on me fouette que whoop! Il dit que yeah, je suis sauté, on me fouettait, man. On me fouette, on me fouette, on me fouette. Je me lève et dis à mon frère que pardon, c'est quoi? Il était lui en train de dormir. On me fouette, on me fouette, on me fouette. Je guette le type qui n'a pas de tête là. Je dis que merde. Il m'a fouetté, DMG. Le gars m'a chicoté copieusement. Il me fouette, il dit, tu vas encore chercher la femme déjà? Et que grand frère, pardon, il ne savait pas. Je m'excuse. Tu vas encore chercher? Il me fouette. Le mat. Donc, c'était le genre quand il te fouette, quand tu cries, personne n'entend. Hein, parce qu'il bloque il bloque ta bouche, tout. Maintenant, quand il a fini de me fouetter, là, il a fait de 2 heures jusqu'au matin. Maintenant, quand le soleil s'est levé, le gars, il est glugo. C'est comme ça qu'il me lève, il raconte, il me dit que, ah, ah bon? Donc, tu ne savais pas? On ne cherche pas les femmes des gens ici. Là, le gars a mis que les esprits derrière la fille. C'est une fille qui voulait épouser. Toi, tu viens, tu veux gnoxer l'enfant de quelqu'un. Sache que désormais, quand tu arrives, demande d'abord au chef du village que c'est la fille de qui ici. Elle a qui derrière lui et tout. C'est comme ça que le gars était allé voir les gens. On a travaillé sur la fille que bon, celui qui va te draguer, tu vas aller là. On allait même masser seulement avec les os du lion, man. J'étais déboîté, gars. Donc, pour dire que les gars, si vous voulez gnoxer, rassurez-vous d'abord que la fille, c'est pas la femme de quelqu'un parce qu'il y a les choses là-bas derrière. Bref, mon frère, on est ensemble. C'est mon histoire. D'accord, Zidane. On est ensemble. Yo. Allô, bonsoir, DMG. Le dioxy, ça dit quoi? Ouais, tranquille, on est là. D'accord. Voilà, au fait, j'ai une petite histoire. Hein. Ce n'est pas une longue histoire. Voilà, mais avant, désolé pour la voix, je suis un peu arrimé ce soir.
Voilà. Donc, c'est une histoire que moi-même j'ai vécue, mais c'était quand j'étais gosse en fait, vers les 12 ans comme ça. Donc, ça s'est passé dans notre village. Mais un jour, quand on était en train de dîner, genre vers 20 h comme ça, voilà. Donc, on est venu prendre place devant la nourriture comme ça, parce que chez nous, c'était un petit village au fait. Donc, les gens venaient à 3, 4, s'asseoir sur le même plat et puis manger ensemble, quoi. Donc, on était ce jour-là 4 personnes sur le plat. Voilà. Donc, comme il n'y avait pas d'électricité chez nous en ce moment, donc on utilisait des lampes à pétrole. Ok. Je ne sais pas si vous pas trop. Voilà, ce jour-là, 4 personnes sur la table, on a pris place. Le moment où on allait commencer à manger, moi, je remarque qu'il y a un petit crapaud qui s'assoit et qui fait face à moi. Parmi les 4 personnes-là, c'est moi seul que le crapaud regardait. J'ai dit, ça c'est bizarre. Mais bon, je me suis dit, oh, peut-être ce n'est rien. Donc j'ai commencé à... manger. Et puis, le crapaud imite mes mouvements, quoi. Genre, je mets ma bouche, je mets ma main dans la bouche, le crapaud fait pareil. J'ai dit, là, ça devient sérieux. Du coup, je me suis Regarde, levé. regarde. Est-ce que tu peux, J'ai est-ce que tu peux pensé à prendre la toutes les partie de quand positions vous que je mangez à pourrais quatre prendre. dessus dans le plat là? Parce que tu as bugué là, on ne t'a pas bien suivi. Ça a bugué, non? Oui, on t'a pas bien J'ai suivi. Tu reçu peux un reprendre la appel. partie C'est de pour ça. vous tant que de manger à quatre dans un plat. Voilà. Donc, parmi les 4 personnes là, il y avait genre un petit crapaud qui était là et qui me faisait face, qui me fixait, quoi. Moi-même, j'ai senti que le crapaud là me fixait. Bon. J'ai dit peut-être ce n'est pas grave. Donc on a commencé à manger. Le mouvement que moi j'effectuais là en mangeant, genre je prends la nourriture, je mets dans ma bouche, les crapauds reprennent le même mouvement. Genre il prend sa main, il met dans la bouche. J'ai dit ah, alors là, c'est bizarre. Donc du coup je me suis levé, j'ai pensé à toutes les positions que je pouvais prendre pour tuer les crapauds là. Parce que je n'étais plus tranquille. Donc je me suis levé comme ça. J'ai sauté, on dirait Hulk là. Vous connaissez Hulk? Donc j'ai sauté et puis bang! J'atterris sur le crapaud. En plus, ce n'est pas tout. J'ai levé une jambe là, resté sur le crapaud. J'ai tourné comme ça, comme un tourbillon, pour pouvoir le broyer à nouveau, quoi, pour qu'il n'y ait aucune, je ne sais pas, aucune chance de s'en sortir. Donc, même si je te dis, j'ai levé mon pied là, on ne voyait même pas le crapaud. C'était mélangé avec la boue comme ça. Je me suis dit, toi quand même, tu as eu ton compte. Voilà. Donc, le lendemain, on entend dans le quartier qu'une grand-mère est décédée. Il dit, est-ce que ce n'était pas la grand-mère là qui s'était transformée en crapaud pour venir me manger ou quoi là? Voilà. Donc, c'était mon histoire. En tout cas, j'ai trouvé ça très bizarre. Et puis, la coïncidence était là, quoi. Le soir, je tue le crapaud. Le lendemain, la grand-mère meurt. Alors qu'il y avait des locaux autour de la grand-mère, soi-disant qu'il est dans des pratiques bizarres et qu'on sort là. Ah, bon, je me suis dit, la mamie, elle a eu son compte des crapauds women. Voilà, D'accord, c'est merci. ça l'histoire. On a parlé comme ça avec Allô? un criminel. Il a tué une Bonsoir. grand-mère. Bonsoir, Kuy Noto. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, très bien. Ok, bonsoir à tout le monde, bonsoir DMG, bonsoir à tous ceux qui sont dans le live. Alors, je vais rapidement raconter une histoire. Cette histoire concerne ma mère et sa petite sœur, mais c'est des histoires qui datent de longtemps, mais elles se sont passées au même endroit. Très courte histoire. Alors, ma mère, quand elle était petite, elle a vécu chez sa mère dans un petit village du littoral qui s'appelle Dimoumbari. Donc, sa grand-mère, parce que c'était sa grand-mère, pardon, pas sa mère, elle était là avec sa grande sœur et un de leurs cousins. Donc, la grand-mère avait l'habitude de voyager très tôt. Donc, vous avez les grand-mères à l'époque qui n'avaient pas tellement de moyens de transport. Donc, quand elle voulait aller à Douala, elle se réveillait à 4 heures et puis elle allait prendre la pirogue, des trucs comme ça. Donc, généralement, pour voyager, elle allait très tôt le matin au champ. Donc, et puis, elle pouvait récolter du manioc, des trucs comme ça. Donc, elle emballait ce qu'elle devait amener.
Donc ce jour-là, comme les grands-mères dorment un peu tôt, la grand-mère apparemment a dû suivre le chant du coq ou un truc comme ça. Et je crois qu'elle a un peu confondu l'heure. Sûrement, il y avait aussi la lune. Donc la grand-mère a réveillé les enfants et elle leur a dit, voilà, il est déjà 4 heures, le coq a chanté, je ne sais pas trop, 4 fois, il faut qu'on aille au champ. Donc ils sont partis, le champ n'était pas très loin, sauf que le champ était pas très loin aussi du marigot. Donc quand ils finissaient au champ, ils allaient au marigot pour se nettoyer les mains, les pieds, emballer et revenir maintenant au village. Donc ils vont au champ, tout se passe bien. Il y a la lune, d'après ce que ma mère me dit, il y a la lune, donc ça fait un peu la lumière. Parce qu'au village, quand c'est la pleine lune, il y a vraiment la lumière. Tu peux croire que c'est le soleil qui a le jour qui est en train de se lever. Surtout qu'il n'y avait pas de courant électrique à ce moment-là. Donc ils arrivent dans le marigot. Et pendant qu'ils sont en train de. Elle est un enfant du coup moyen 1, hein, même sa grande soeur est au coup moyen 2, son cousin pareil. Donc ils sont en train de nettoyer les pieds et les mains et tout de la boue. Et puis à un moment, il y a des bruits qui se font entendre de l'autre côté de la rivière. Donc c'est comme si il n'était pas seul à la rivière, comme s'il y avait des personnes qui étaient de l'autre côté qui se lavaient. Donc il n'était pas une ou deux ou trois personnes. Donc elle me dit, eux ils étaient des enfants, mais ils ont commencé à se dire, mais alors qu'est-ce qui se passe? Donc, ils connaissent tout le monde au village, quoi. Donc, s'il y a quelqu'un du village, des gens du village qui sont en train de se laver, pourquoi ils sont de l'autre côté? Eux, ils ne les voient pas. Et la grand-mère est restée silencieuse. Donc, la grand-mère a apparemment pris conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle a dû observer autour d'elle. Et elle s'est rendue compte que, d'ailleurs, si peut-être elle s'était bien réveillée, peut-être que le soleil serait déjà en train de se pointer ou des choses comme ça, elle a dû comprendre qu'il est beaucoup plus tard qu'elle imagine, se fait encore beaucoup plus tard dans la nuit, et que normalement, des personnes à cette heure-là ne devraient pas être en train de se laver au marigot. Donc, ces personnes commencent à faire beaucoup de bruit, à faire des plongeons et tout le reste. Donc, elle leur a dit calmement, écoutez, sortez de l'eau. Prenez vos babouches, prenez chacun son paquet, mettez sur la tête, on va rentrer au village. Donc, le marigot n'était pas très loin de là où ils habitaient, mais la grand-mère, donc disons, cette grand-mère-là, son mari, avait un grand frère qui était un crâdi praticien. Et quand on passait du marigot, les premières maisons du village, le grand-père là habitait dans l'une des premières maisons du village, pardon. Donc, quand ils sont venus passer, le papa l'a été déjà assis sur sa véranda. Donc, quand ils sont venus passer, le papa là, lui a dit qu'est-ce que tu es allé faire au marigot avec les enfants là? Ce que tu voulais voir là-bas? Parce que je te parle chaque fois, tu ne comprends pas. J'espère que tu as vu ce que tu voulais voir là-bas. Tu as vu comment les. Bon, c'est une façon. On dit ça en langue. Truc, voilà. Le dehors, tu as vu comment le dehors était mauvais. C'est comme une façon de dire ça. Mais il a dit ça un peu avec la langue maternelle pour dire, est-ce que tu as vu? Regarde à quelle heure tu te retrouves au marigot avec des enfants. Donc la grand-mère, elle ne voulait pas écouter. Elle avait compris. Elle leur a juste dit, marchez vite, marchez vite, marchez vite. Et maintenant, ma mère me dit que quand ils se sont couchés, ils ont dormi encore longtemps, donc ils se sont retrouvés au marigot comme ça, aux histoires, autour de peut-être 1 heure ou 2 heures du matin, sans savoir. Sans savoir. Et elle ne sait pas, elle me dit qu'elle ne sait pas, que peut-être c'était des esprits ou je ne sais pas quoi. Elle ne peut pas savoir, mais que vraiment. Et la grand-mère n'a jamais fait allusion à ça. Elle n'a vraiment plus fait allusion à ça pour leur dire, voilà, peut-être que c'était quelque chose, non. Mais elle a gardé, ça c'est quelque chose qui est resté. Donc, dans la même concession-là, la petite sœur de ma grand-mère, qui avait eu son cep, mais qui était au village parce qu'elle était la dernière, donc son père et sa mère étaient déjà revenus au village. Donc, on l'a fait donc partir à Dibombari, toujours dans la même concession-là. Mais là où elle habite maintenant, la maison est en face du papa-là, du même papa-là. Donc, un jour, elle est en sixième, il est un samedi. Elle dort un peu tôt. C'est un soir de pleine lune, donc la lune est vraiment, elle est vraiment brillante. Et elle se réveille dans la nuit. Donc elle dort un peu tôt vers 18 h. Ça fait qu'elle se réveille peut-être vers minuit, 1 h sans savoir. Elle a envie de faire pipi. Et comme les toilettes au village sont à l'extérieur, elle se dit, elle regarde là, elle regarde par la fenêtre, elle voit la lumière et elle se dit, bah, il doit être 6 h du matin.
Donc elle ouvre la porte naturellement pour aller faire son besoin. Et elle dit que quand elle ouvre la porte, il y a quelqu'un qui est en train de balayer de l'autre côté, parce que c'est comme les maisons du village, soit il y a une maison de ce côté, une de l'autre côté. Donc du côté du papa là, il y a un arbre fruitier qui fait tomber beaucoup de feuilles mortes. Et quelqu'un est déjà en train de balayer. Donc elle, ça la convainc davantage que le jour s'est levé et que le papa là, c'est le papa là qui est en train de balayer, quoi. Il est en train de balayer déjà 5 heures, au village, 5h36, les gens sont en train de balayer. Donc elle va derrière, elle fait son besoin normalement. La personne continue à balayer. Elle dit que ça fait même du bruit des feuilles mortes, choua, 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 avec le balai du village là. Donc elle finit, elle rentre, elle referme la porte et elle se couche. Ce qui attire son attention, c'est que quand elle se couche, elle dort encore longtemps. Pour se réveiller à 6 heures, elle se rend compte qu'elle a dormi 5 heures ou 6 heures de temps et elle se pose la question, mais je me suis réveillée à quelle heure jusqu'à je suis allée dehors pour faire pipi. Donc la première chose qui lui vient à l'esprit, c'est si je me suis réveillée tard comme ça, mais qui était en train de balayer les feuilles mortes dehors? À cette heure-là, donc elle sort de la maison pour aller vérifier et elle se rend compte que toutes les feuilles mortes sont exactement là où elles étaient. Il n'y a personne qui a balayé. Personne qui a balayé. Donc, elle va donc voir l'oncle de ma grand-mère qui est vivant pour lui dire, mais je suis sorti ici, apparemment il se faisait tard, j'ai balayé, quelqu'un était en train de balayer déjà les feuilles mortes, ça faisait du bruit de feuilles quand il balayait. Donc, le papa là lui dit que non, laisse, ne t'en fais pas, laisse. Bon, cette chose où je ne sais pas, n'a pas voulu t'effrayer. Donc, elle a vu que c'est un enfant qui sort, donc a fait ce qu'elle devait faire. Pour que tu sois, pour que tu sois à l'aise. Cette chose n'a pas voulu t'effrayer. Laisse tomber, comme tu n'as rien eu et que tu es parti, tu t'es rendormi, tu n'as pas fait de cauchemar ou des choses comme ça va. Donc, c'est un peu les deux petites histoires mystérieuses de deux choses qui se sont passées au village pour des proches que je voulais raconter ce soir. Au D'accord, revoir. merci beaucoup, Queen. DMG, merci. Merci à toi pour l'histoire. Hélène, Bonsoir, bonsoir. DMG. C'est comment? Ça va et toi? Bonsoir à tout le monde ou bonjour selon l'heure à laquelle, selon le fuseau horaire de tout un chacun. C'est vrai, ça fait un bail. Les occupations de la vie. Alors, DMG, si tu me permets, rendre un big up aux cousins du Gabon. C'est-à-dire les Gabonais, ils ont le don de la narration. Ils te racontent l'histoire, Oui. tu vis Merci, l'histoire. merci. Pardon, attends, Mylène, s'il te plaît. Une minute, s'il te plaît, suis-moi tout couper. S'il vous plaît, quand vous montez, racontez les histoires, évitez de rire, parce que ça fait un peu pas sérieux l'histoire. Imagine, tu racontes l'histoire qui t'a marqué tes frères, et tu racontes ça en riant, ça ne va pas nous aider. Donc, s'il vous plaît, racontez les histoires sans rire. Si l'histoire est marrante, ceux qui sont dans les commentaires qui vont rire déjà. Merci. Merci pour les cadeaux. La deuxième, à la douce qui vient d'arriver, bienvenue, fais comme chez toi, enfable les chaussures. Voilà, Mylène, on peut commencer. Comme je disais, big up aux cousins du Gabon qui ont l'art de la narration. Ils te font vivre l'histoire, imaginer la scène. Ils réussissent à te transmettre l'émotion qui va avec et donc c'est super important. Ce soir, j'ai une histoire qui m'a été racontée il y a quelque temps, mais faute de disponibilité, je pouvais pas. Alors, c'est l'histoire de deux jeunes hommes. On va se nommer un Patrick et l'autre Sébastien. Alors, Sébastien et Patrick étaient deux amis, deux besties, deux frères, et ils avaient une passion commune, c'est-à-dire le football. Et Sébastien était ce qu'on appelait le maestro, le pichichi. Vous savez, dans chaque groupe, il y a toujours celui-là qu'on voit plus. Et il a commencé à avoir des malaises, des petits bobos et tout. Et vous savez que pour ceux qui connaissent un peu le monde du foot, c'est assez important de toujours être là au match et assister à tout parce que on ne sait pas quel joueur, quelconque manager, entraîneur peut arriver. Dans cette lancée, vu les petites maladies que Patrick avait commencé à avoir, il est parti voir son bestie, Patrick, pour lui dire que ouais, Patrick, entre-temps, comme tu vois là, depuis un temps, tu vois, je me fais rare aux entraînements, je ne viens plus, c'est juste parce que je me sens pas bien. Patrick lui dit, ah, c'est ça, je comprends. En fait, ce sont les gens de ton village qui ne veulent pas que tu progresses, vu que tu es notre pitchi et tout, tu es notre futur pro. C'est comme ça que Patrick lui dit, non, c'est un petit problème, Sébastien. Je vais t'accompagner quelque part et
On va faire quelque chose. Et quelques jours après, Sébastien a suivi Patrick. Vos histoires de suivre toujours les gens là. Ils sont partis quelque part et arrivés là-bas, on a fait ce qu'on appelle des scarifications, ce qu'on appelle encore communément des blindages. Et voilà, il a fait quelques blindages, quelques lavages, il est rentré, il a repris ses entraînements. Tout allait bien, tout était tranquille. Il n'a pas cessé de remercier Patrick. Hein, bon, Patrick, vraiment mon bestie, mon frère, notre mère, mon sang. Hein, grâce à toi, je suis en forme. Et quelques temps après, la santé de Sébastien commence à se dégrader. Il y a un bouton qui sort sur un pied, il gratte, ça se perce. Un autre bouton et les pieds de Sébastien commençaient à pourrir. On ne comprenait pas ce qui se passait. Sébastien, le grand prodige, le futur footballeur, voyait son avenir s'éteindre. Et voilà, comme dans chaque famille, il y a toujours une personne qui va toujours voir, une personne qui ne laisse pas tout passer. Donc c'est comme ça qu'un proche à Sébastien est allé voir et on lui a dit, on a amené votre enfant quelque part. Il est parti quelque part avec ses propres pieds, mais il faut qu'il dise, on va voir Sébastien. On dit que tu es parti quelque part. Sébastien, il fouille, il fouille, il fouille. Il dit, non, comment? On dit, il faut chercher. Il dit, non, non, je suis allé quelque part avec Patrick, mais Patrick, c'est mon frère. Patrick, c'est mon ami. Il peut pas me faire ça. Qu'est-ce qu'il y a? On cherche encore finalement. Le problème de Sébastien venait de chez Patrick. Patrick avait fait un échange. Pendant la maladie de Sébastien, Patrick avait eu une opportunité et est allé jouer dans un club à l'étranger. Pendant ce temps, Sébastien, le prodige, le footballeur, celui-là qui était le pichichi, a vu son avenir s'éteindre comme ça dans le foot. Donc, pour vous dire, s'il vous plaît, vos histoires de accompagner, faites attention. Là où il y a croix, il y a deux. Là où il y a croix, il y a deux. Quand vous êtes à croix, vous ne savez pas ce que les deux autres se sont dit. Vous ne savez pas. Il allait faire des lavages, il allait se vendre. Et c'est l'autre qui, lui, il est parti. Donc, vraiment, c'était ma petite contribution de ce soir. Peut-être que je reviendrai après. Et méfiez-vous Wow. toujours. Donc, voilà. Merci beaucoup pour l'histoire et merci aussi pour l'expression. Là où il y a trois, il y a deux. Ça veut dire Oui, que quand vous êtes trois, il y a toujours deux qui s'entendent le il y plus, a toujours deux. qui On ne sait causent pas qui pendant que tu n'es pas là. pendant que tu n'es pas là. Allez, bonne soirée. Bon, peut-être que je vais Merci revenir pour beaucoup. une histoire qui me concerne. Après, alors, je reste dans les commentaires. D'accord. Puissant, hein? Là où il y a trois, il y a deux. J'étais en classe de sixième, je ne sais plus en quelle année, mais j'étais encore très petite. C'était pendant les grandes vacances. Donc pendant les grandes vacances, nous, on se débrouillait un peu parce qu'il n'y avait plus l'argent de l'école. Donc on cherchait l'argent. Et on avait trouvé une idée, ma copine et moi, de faire un commerce de pierres, de gravier. Donc en cherchant les pierres, on s'est retrouvés en face de notre ancienne école. Et en face, il y avait un chef du quartier, un vieux comme ça, un chef du quartier qui habitait là. On s'est un peu éloigné de la maison, on a commencé à ramasser. Un jeune est sorti du néant. Il a commencé à nous gueuler là, non, je vais vous emmener chez le chef du quartier, vous n'avez pas le droit de ramasser les pierres, etc., etc. Donc, quand on va, bon, il nous ramène vers le chef du quartier. Moi, il faut souligner que moi, quand mon père me grondait toujours, il me disait, quand je te parle, tu me regardes. Donc, c'était une habitude comme ça. Bon, c'était selon l'éducation que je recevais de mon paternel. Donc le vieillard, quand il a commencé à dire non, mais laisse les enfants, ils n'ont rien fait, non, non, non. Lui et moi, le vieux et moi, nous sommes yeux dans yeux. Donc je le fixe, il me fixe. Je le fixe, il me fixe. Il nous a relâchés. On est parti à la maison. Moi, je dors pas avant, je dormais pas avant 21h, 22h. Mais dès 18h, j'étais déjà fatiguée. J'avais le sommeil. Donc le sommeil est arrivé trop vite. Mon père me dit, ah, toi, sûrement, tu as fait quelque chose. Qu'est-ce que tu as fait à 18h? Tu commences à chercher le sommeil comme ça. J'ai dit, papa, j'ai rien fait, j'ai rien fait. Donc à 18h, là, moi, je m'en vais me coucher. Je n'ai pas aussi un sommeil profond, mais ce jour-là, j'ai dormi profondément. On avait trois chambres, donc moi, je dormais seule dans ma chambre et j'avais ma soeur aînée, ma petite soeur dans l'autre chambre. Je rentre, j'avais toujours l'habitude de fermer la porte de ma chambre. 18h, 23h, l'heure de démon, là. Je rentre dans une paralysie de sommeil. C'est-à-dire, je veux me réveiller, mais j'arrive pas à me réveiller. J'ai l'impression que je fais des choses. J'ai l'impression que je suis éveillée, mais je ne suis pas éveillée. Je suis toujours dans mon sommeil.
Tenke a commencé à me bloquer la gorge. J'essaie d'ouvrir les yeux, je n'arrivais pas à ouvrir les yeux. Et j'ai senti comme si on me prenait par les pieds. Dans ce sommeil-là, je sens que ma porte s'est ouverte, mais quand elle s'ouvre, elle se claque. Je me débat. Donc, lui, il tire, moi, je m'accroche pour ne pas tomber. Et dans mon sommeil, j'ai crié le nom de ma soeur aînée. Elle, là où elle est, elle m'entend, mais elle m'entend de loin. Elle vient là, mais elle toque. Je sens qu'elle me frappe, mais j'avais du mal à me réveiller. Donc, quand je reprends mes esprits, elle me dit, mais toi, qu'est-ce qui se passe? Je t'ai entendu crier mon nom de loin. Je dis, ah, vraiment, je ne sais pas. Elle me dit, mais pourquoi ta porte est ouverte? Ah, dame, à l'instant, j'ai compris que là, ça n'allait pas. Je dis, eh, pardon, je ne dors plus ici. Il faut que je vienne avec vous. Elle dit, il n'y a pas de problème. Donc, je sors, je déménage de ma chambre pour leur chambre. Arrivé là-bas, DMG, on a commencé à écouter les pas des gens dans la maison. Ta, 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 ta. Toutes les trois, là, on se regarde, mais qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, à la fenêtre, on entend des gens parler. Ah, elles sont maintenant trois, hein? D'accord. C'est bon déjà. Donc ma petite sœur, la plus petite, elle s'en va ouvrir le rideau. Elle remarque que c'était deux chats. Des chats qui parlent. Alors, on revient, on se coupe. Dans la peur, on se met au coin du mur là. DMG, à l'instant, tu sais quand le démon vient, le sommeil aussi te prend. Quand on essaie de dormir là, c'est le moment où le mouvement des sorciers là commence à recommencer. Un vent, tu sens que vous êtes à l'intérieur de la maison, mais le vent, ça sort, on ne sait pas d'où ça sort. Dans la peur là, on dit à la petite sœur, écoute, hein, va frapper chez le vieux là-bas. On va lui dire que nous, on ne peut pas dormir ici. On va dormir dans ta chambre, dans leur chambre. C'était la nuit, le papa n'a pas voulu trop savoir plus. On a dormi, on a squatté dans la chambre des parents le premier jour. Le deuxième jour, la même scène. Je dis bien, le deuxième jour, la même scène se répète. Et lui, le sorcier là, il fait ces choses de loin. Donc en passant, il avait pris une vieille mère là, je ne sais pas s'il avait besoin d'âme ou comment. En passant, il avait pris avec lui l'âme d'une vieille mère à côté de chez nous là. Donc moi, la nuit, le même soir, j'ai eu l'envie de pisser, je veux me soulager. Dans les toilettes, je suis dans les toilettes, la fenêtre, j'entends les gens parler. Tellement que je suis curieuse, DMG, je monte sur les bidets là, je guette là. Les deux chats qu'on avait vus la nuit précédente. Je cours, je sors vite là, je dis à ma soeur, ah là là, si papa ne nous prend pas ce soir là, on est mort. On envoie la petite soeur s'évadir. Donc le même soir, papa nous fait asseoir, mais qu'est-ce qui se passe? On dit, on ne sait pas. Le lendemain matin, c'est là où je lui fais comprendre, ah au fait papa, tu te souviens les pierres que tu avais achetées la veille là, machin truc. Regarde ce qui s'était passé. Il me dit, qui vous a emmené là-bas? Je dis, moi, on ne le connaît pas. On ne sait pas d'où il est sorti, on ne sait pas d'où il est parti. Il nous a juste emmené chez le vieux, mais le vieux ne nous a pas gueulé, il a juste dit que ce n'était pas grave et tout et tout. Le troisième jour, papa a mis le sel en grain là. Il a mis de l'eau bénite dans la maison. Malgré ça, vraiment, on n'a pas eu le sommeil. Le quatrième jour, mon daron me prend. On va chez le chef du quartier. Le chef du quartier, mon père lui dit, écoute, ça c'est ma fille. Donc, il faut savoir qu'elle n'est pas orpheline. Elle a un père, elle a une mère. Toi, tu ne peux pas venir déranger ma maison sans même que tu ne passes par moi. Ça veut dire que si tu la veux, tu dois passer par moi. Je te donne moins de 10 jours. Si tu n'arrêtes pas tes menaces, soit c'est toi, soit c'est moi. Qu'est-ce que tu racontes? Donc, genre, il a commencé à faire le gaillard. Mon père lui dit, tu es mon ancien, de loin. Mais je te dis, si tu veux la toucher, tu passeras par moi. Ce qui veut dire, toi, avant de la toucher, toi, avant de l'atteindre, tu dois d'abord m'atteindre, moi. Mais tu as 10 jours, je te donne le temps de réfléchir. On s'en va à la maison. On a commencé un peu à dormir bien, mais on a fait quasiment une semaine, hein, on dormait qu'avec les parents. Le septième jour,
Moi, comme je fréquentais avec son petit-fils vient, il y avait un terrain au centre là, de notre maison. En jouant là, il me dit, ah, mais toi, tu n'es pas au courant, mon grand-père, il est décédé et tout. Toi, tu viens pas la veille. Je dis, quel grand-père, c'est qui? Oh, celui qui est en face de l'école. Eh. J'ai couru vite à la maison. J'ai dit, ah, papa, le vieux là, le vieillard, les mots. Papa a juste souri. L'histoire, bon, moi, je dois, c'est par rapport à l'éducation. Je pense qu'on était deux, hein. On était deux quand nous sommes en train de prendre les pierres, là. Mais la personne qui a été plus persécutée, c'était moi. Pourquoi? Parce que j'ai eu un contact direct avec lui, par les yeux. Moi, étant petite, je n'avais pas le droit, quand il me gueulait, là, il parlait, là, je n'avais pas le droit de le regarder dans les yeux. Donc, il a eu un contact et il avait besoin d'échange. Ça veut dire qu'il était prêt déjà. Donc, on lui avait demandé une âme. Mon âme à moi, là, il fallait que moi, je meure pour que lui, il vive encore. Mais comme il a raté sa mission, lui, il est mort. Moi, je suis restée. Voilà un peu l'histoire. Merci beaucoup. Mais je reviendrai, hein, je reviendrai parce que moi-même, j'ai déjà vu une sirène comme ça et puis j'ai chié dans les habits. Je veux revenir avec cette histoire. Mais à minuit, c'est mieux. Assure-moi, tu es bien vivante, non? Tu n'es pas encore morte. DMG, je suis bien vivante. Non, il demande, moi, je vais reçu dans ma vie. Moi, j'ai même reçu dans ma vie. Hein. Je suis bien vivante, DMG, je suis bien vivante, toi aussi. Même si je suis revenu. Non, je vais revenir deux fois. Je vais revenir dans ton direct plusieurs fois. Pour faire quoi? Parce que quand tu dis que tu reviens à minuit, c'est comment? Tu es devenu la crocose des machins là? Non, pour que vous dormiez bien, je reviens à minuit vous raconter l'histoire d'une sirène. Hein? Ok, merci. C'est mieux.